et bienvenue à cette interview exclusive que nous réalisons en direct de Goma. Vous le constatez, nous sommes avec M. Stéphane Machoukano. M. Machoukano, bonjour. Bonjour, Juste Kabumba. Bienvenue en direct sur le Congo Live. Et nous avons en tout cas le privilège de vous recevoir toujours en exclusivité. Je rappelle que vous êtes le secrétaire interfédéral de l'INC, l'Union pour la Nation Congolaise, le parti cher à Vital Kamerhe. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'en tout cas, nous allons développer quelques sujets d'actualité liés à la politique, la sécurité. Vous savez, on est au Nord Kivu. En tout cas, on ne peut pas finir un entretien sans même pas avoir fait un clé d'œil par rapport à ce qui se passe dans le Kivu, dans l'est du pays, notamment, surtout dans les deux provinces qui sont sous l'état de siège. Alors, pour commencer, Monsieur Machoukano, comment vous analysez la situation actuelle sur les places sécuritaires au Nord Kivu? Oui, vous avez oublié aussi une autre qualité, que j'étais le coordonnateur de l'Union sacrée en province du Nord Kivu. Voilà, merci pour les rappels. Il faut pas oublier ça. Ouais. Vous tenez le chef de l'État? Tout à fait. Tu sais qui dit? Tout à fait. Malgré les contestations des Congolais. De certains Congolais. Chacun a le droit. Nous sommes en démocratie. Chacun a le droit de soutenir le président de la République ou de ne pas le soutenir. Donc, c'est tout à fait normal. D'accord. Alors, la situation sécurité au Nord Kivu, en un mot, parce que ce n'est pas ça vraiment le sujet principal, je rappelle que nous allons beaucoup plus parler de la politique. Mais avant ça, comme au Nord Kivu, comme je l'ai annoncé, on parle un peu, on fait un clé d'œil par rapport à la sécurité au Nord Kivu. Comment vous analysez les avancées dans l'état de siège? Je ne peux pas passer sous silence le propos de discourtois, irrévérencieux et irrespectueux de Gilles Alinghetti. Il a déjà retiré. Tant mieux pour lui. Ouais. Mais c'est ici l'occasion de l'appeler à la prudence, de l'appeler à avoir de tact. Parce que on ne peut pas être indifférent quand les gens meurent. Il y a des termes qu'il ne faut jamais utiliser quand les autres sont en souffrance. Il ne faut pas être indifférent quand les autres sont en souffrance. Alors, c'est dans ce contexte que je voudrais répondre également à votre question, que la situation, principalement au Nord Kivu, Elle est en train de s'améliorer progressivement parce qu'il y a des efforts qui sont faits ça et là, mais il y a encore un long chemin à parcourir et nous continuons à encourager les chefs de l'État dans cet élan-là de chercher la paix à l'Est. Et nous saluons également la mutualisation de forces qui nous avons, les UPDF, les forces armées ougandaises, ainsi que le FARDC, qui sont en train d'abattre un travail remarquable à Beni, ainsi que surtout à Beni, à Ituri, pas encore, mais quand même c'est deux provinces, deux coins limitrophes. Il y a un travail de fond qui est en train d'être fait là-bas. Paris n'a pas été fait en un jour. Nous savons que l'insécurité a gangréné l'est de notre pays depuis 3 décennies. Ce n'est pas du jour au lendemain que les choses peuvent s'améliorer sensiblement. Ça avance à pas de tortue, mais sûrement nous allons vers une situation qui sera une situation de paix ici à l'Est, ce que nous souhaitons de tous nos voeux. D'aller retrouver, on ne parle plus d'M23. Où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont retournés là où ils étaient venus ou bien qu'est-ce qui se passe? Non. En fait, ils sont comme des moustiques. Hein? Des moustiques qui dérangent quand vous dormez. Ils vous dérangent surtout au niveau des oreilles. Ils font beaucoup de bruit. Mais ils sont là juste pour déranger. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne sont pas à mesure de prendre même une colline, deux collines pendant 2 jours. Ils sont là juste pour déranger.
Et malheureusement, ce sont les vies humaines qui en payent le frais. C'est ça le grand problème. C'est pourquoi nous avions demandé au président de la République de s'impliquer pour qu'on y mette un terme une fois pour toutes. D'accord. Parlons politique, je ne sais pas si c'est de la politique, mais c'est la justice un peu. Selon Africa 54 Info, qui est média panafricain, les procès du président national de l'INC, Vital Kamerhe, reprend le mercredi 11 mai 2022 à la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. La reprise de ce procès fait suite à la décision de la cour de cassation qui s'était prononcée en faveur de la requête de Vital Kamerhe. Elle s'oppose également à la décision de la cour d'appel. Il faut dire que pour la cour de cassation, la juridiction d'appel a statué sur base d'une notification de la date d'audience alors qu'elle aurait décidé les prévenus, c'est-à-dire Kamerhe, ce qui constitue aussi une violation du droit de la défense prévu par l'article 19 de la Constitution. Il faut dire que bénéficiaire d'une liberté conditionnelle, le leader Vital Kamerhe, le leader de l'Union pour la Nation Congolaise, M. Kamerhe, qui était bien sûr en France où il s'est trouvé, où il suivait de près l'évolution de son dossier avec la justice congolaise. Mais ainsi, il avait résolu de regagner Kinshasa, il faut rappeler, c'était un certain lundi 18 avril 2021, pour assister personnellement aux audiences en rapport avec les procès dits 100 jours qu'il oppose avec les ministères publics. Il y a votre parti politique, l'INC, qui a appelé en tout cas les cadres du parti ainsi que les militants de prière pour l'union de prière. S'il faut rappeler ce qui s'était passé, Vital Kamerhe avait été condamné à 20 ans de prison au premier degré. Il était poursuivi pour détournement des fonds destinés à certains travaux publics dans le cadre des programmes de 100 jours. Bien que la justice n'a jamais démontré ces détournements. Ça, ce sont les propos de ceux qui soutiennent Vital Kamerhe. Le procès reprend d'ici là. Et moi, monsieur Machukano, par rapport à ça. J'ai aimé votre façon de dire. Et c'est pourquoi nous l'avons toujours dit, nous l'avons clamé haut et fort, que notre président, l'honorable Vital Kamerhe, est innocent. Et la justice, elle est indépendante. Nous faisons foi et confiance à notre justice. Nous savons que la justice va dire le droit et va réhabiliter l'honorable Vital Kamerhe parce que son honneur a été sapé. Et c'est pour nous l'occasion de célébrer notre victoire que la justice, quand la justice sera rendue en faveur de notre président, parce que nous savons qu'il est innocent. La cour de cassation a déjà cassé les jugements qui condamnaient Vital Kamerhe pour dire que le procès devrait reprendre au niveau de la cour d'appel. Et nous pensons que cette fois, parce qu'il y a eu certaines irrégularités, certaines violations de certains articles, comme vous avez à les lire. Et pour nous, c'est un moment de célébrer notre victoire, parce que nous croyons fermement que notre président est innocent et que la justice va faire son travail et que le droit sera dit. Incessamment, le président Vital Kamerhe sera un homme libre. C'est vraiment ce que nous attendons de pied ferme. Qu'est-ce qu'il peut craindre, Kamerhe? Pardon? Qu'est-ce qu'il peut craindre dans tout ça? En tout cas, par nature d'abord. Ou bien vous pouvez déjà commencer à chanter victoire? Total. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous savons qu'il est innocent. D'ailleurs, le président de la République aille à le répéter. On ne va pas confondre le président de la République à la justice. Ouais. Nous attendons dans toute humilité que le droit soit dit, qu'il soit lavé définitivement pour que nous puissions jubiler. Donc, c'est
Question pour nous de prendre notre mal en patience, de ne pas faire le triomphalisme, de laisser la justice faire son travail et qu'au moment opportun, nous allons pavoiser. Donc, il est question d'être discipliné, d'être humble et de laisser la justice faire son travail. D'accord. Ouvrons ce grand chapitre. L'ancien premier ministre congolais, Augustin Matata Ponyo, a annoncé en tout cas sa candidature à la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo. Dans son discours, il faut le rappeler, dans son discours prononcé à la clôture du premier congrès de son parti politique, le leadership et gouvernance pour le développement ILGD, c'est ça? C'était hier, mardi en tout cas 3 mai. Le parti lancé officiellement pendant la rencontre a désigné celui qui est également professeur d'université et sénateur comme son président national, Matata Ponyo. Comme son président national. Ouais. Son président national. Donc c'est le parti qui a un candidat. Voilà. 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 Okay. Vous avez annoncé, vous avez attendu. Déjà son parti l'a investi comme candidat président aux élections de 2023. Bon. Chacun doit balayer devant sa porte. Qu'à cela ne tienne, c'est quand même un acteur important. Ici est de le souligner. Si il lance son parti politique, il est candidat président lors des élections qui pointent à l'horizon de 2023. Bonne chance à lui. Je ne voudrais pas trop commenter là-dessus, c'est vrai. Il y a beaucoup de dossiers qui pèsent sur lui. Hein. Qui pèsent sur lui. Nous attendons également que la justice nous éclaire là-dessus. Est-ce que c'est un modèle à suivre? Comment vous le dites? Est-ce que c'est un modèle, Matata Ponyo, par rapport à ce qu'on a suivi? Il y a les dossiers Bukangalonzo, il y a je ne sais pas quoi. Est-ce que la population congolaise peut faire confiance à cet homme? Il y a à boire et à manger sur sa personne, sur sa personnalité également, je voudrais dire. Matata Ponyo a été premier ministre pendant plus de 5 ans. Sous Kabila. Et il y a eu beaucoup de promesses. Il y avait un bilan qui avait été salué par les Congolais. Pas du tout, pas. Il n'y avait pas grand-chose qui avait vraiment changé. On ne peut pas dire qu'il a impacté positivement, mais ce n'est pas un type nil. Hein. Ce n'est pas un type nil, il était dans un système. Ce n'est pas aussi facile que ça de se prononcer là-dessus. C'était le chef du gouvernement. C'était le chef du gouvernement, mais il y avait tout un système. Hein. Il y avait tout un système. Il est vraiment difficile de faire une analyse assez objective parce que même à son niveau, il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Il y a beaucoup de choses à lui reprocher. Comme quoi, par exemple? Vous lui reprochez quoi? Il était un premier ministre qui brillait dans des discours à contenu creux, qui ne pouvait pas avancer le pays à un certain niveau, qui ne pouvait pas avancer le pays en rien. Dollarisation, bancarisation de la monnaie, dollarisation de la paix. Il y avait des discours comme ça, il y avait des slogans qui étaient propres à lui. Et on pouvait quand même l'identifier comme ça, et la rigueur dans la gestion, mais ça ne se sentait pas dans le panier de la ménagère. C'était des termes à contenu creux, mais néanmoins, c'est quand même un monsieur. Il y a beaucoup de controverses autour de lui. Il n'était pas nil, certes, mais il y a beaucoup à dire à son chapitre. Est-ce que le fait qu'il a travaillé aux côtés de Kabila pendant plusieurs années, cela pourrait être un obstacle, je ne sais pas, pour lui? Handicap sérieux. Un handicap sérieux. Dans quelle façon, par exemple? Un handicap sérieux, parce que nous savons là où a mené Kabila. Kabila, c'est le père de la démocratie. Le père de la démocratie, c'est l'OCRT congolais. Ça, c'est selon eux. Hein. Je le concède les termes, mais je ne sais pas en quoi il est le père de la démocratie. Grâce à Léonard et la gouvernance.
Non. Est-ce que la démocratie se résume à seulement à l'alternance? La démocratie ne se résume pas seulement à l'alternance. Il n'y a que ça. Et c'était suite à une pression énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de nos compatriotes qui ont payé de leur ville. Vous avez aussi marché ici dans la rue de Goma. Vous ne l'ignorez pas. On a peiné, on a souffert que de lacrymogènes. On était obligé parfois de passer des nuits en dehors de nos maisons. C'était une pression énorme. Beaucoup ont laissé. Mais malgré tout ça, ça ne va pas peser sur... je ne sais pas, les projets ou bien la vision de M. Matata Ponyo, le professeur sénateur. La vision de quoi? Disons, parce que sa volonté, la vision de vouloir devenir président de ce pays, bien qu'il a travaillé aux côtés de Kabila. Bon. Il a toujours ses adeptes. Hein. Il ne peut pas manquer. Il ne peut pas manquer. Bonne chance à lui. Hein. Vraiment, pour moi, je ne les vois pas, lui, hein, Matata Ponyo, avoir été beaucoup de temps auprès de Kabila, beaucoup de dossiers, Bukangalonzo et consorts, beaucoup de millions qui ont été engloutis dans Bukangalonzo. Je ne les vois pas, moi, demain, devenir président de la République. Bon, peut-être que l'avenir peut nous contredire, mais... C'est ce que je dis. Peut-être, l'avenir peut nous contredire. Mais à ce que je sache, à mon avis, je ne le vois pas, lui, Matata Ponyo, gérer ce pays. Est-ce qu'il a des compétences et des atouts? Il en a. Des compétences, il en a, mais la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, revenons sur la question Bukangalonzo. Mais on a vu la justice, monsieur Mashukano, jusque-là... Il faut dire la justice congolaise n'a jamais démontré clairement que Matata Ponyo aurait détourné tous ces millions-là qu'on nous parle dans des médias, surtout dans des médias qui noient. Non, et puis on ne peut pas ici dire que le dossier est déjà clos. Nous savons que c'était lui le premier ministre et que Bukangalonzo n'a été qu'un éléphant blanc. Ça a englouti des millions pour des résultats médiocres. Vous voyez, c'était sous son leadership. Là, il ne peut pas nous prouver le contraire. Bukangalonzo est resté éléphant blanc. Ça engloutit beaucoup de millions. L'argent du contribuable congolais pour ne rien donner en retour. Donc, en tout cas, à mon niveau, on ne peut pas l'exempter de tout ça. Hein. Vous voyez, on ne peut pas l'exempter de tout ça. Peut-être qu'ils nous disent... comment les choses se sont déroulées, mais comme c'était sous son leadership, on ne peut pas l'exempter. Alors, comme on parle en tout cas de ces années judiciaires, il faut dire que Matata Ponyo a dénoncé en tout cas ce qu'il a qualifié d'un complot politique contre sa personne pour l'empêcher d'aller au bout de sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Il dit vrai? Ça, c'est lui qui le dit, et ça ne revient qu'à lui de le prouver. Et c'est réellement un complot, je ne sais pas me prononcer moi là-dessus. Il reste un citoyen congolais. Si il pense qu'il est blanc comme neige et qu'il n'a pas été trempé dans tout ça, ah, tant mieux pour lui, mais à ce que moi je sache, Matata Ponyo n'est pas exempte de tout ce qui s'est passé à Bukangalonzo, un projet qui a englouti beaucoup de millions, je suis en train de le répéter, pour un résultat presque nul, si pas nul. Alors, parlons vrai, M. Mashukano, au-delà de ces ennuis judiciaires, est-ce que pensez-vous que le président actuel, le chef de l'État, Tshisekedi, battre Matata Ponyo si on les mettait ensemble aux élections 2023, les deux? Non, il n'y a pas match. Hein. C'est comme. Pas match, c'est-à-dire. C'est comme quelqu'un qui peut comparer Real de Madrid à Kabasha ou à Virunga. Tu auras du mal à faire un débat là-dessus. Ça c'est un match de football, là on parle politique. Hein. C'est ça que je voudrais vous dire, quand il y a une grande différence, quand il y a un grand trou entre deux personnages que vous voulez comparer, ça devient difficile. Là vous voulez parler qui peut battre l'autre?
Non, je vous dis qu'il n'y a pas match. C'est un éléphant et un crapaud. Tu sais qu'il est l'éléphant, c'est ça? Oui. Ou bien Matata Pogno. Tu sais qu'il dit c'est l'éléphant. D'accord. Parce qu'il faut dire que 2023 approche. Oui. On a probablement les candidats comme le président actuel, le chef de l'État, Tshisekedi. Nous avons Martin Fayoulou. Qui a quatre députés. Non. Je vous suis attentivement. D'accord. Je voulais juste vous rappeler qu'il a quatre députés. Mais c'est leader, hein. Elle n'est pas négligée. Hein? Qui a quatre députés, oui. Bon, d'accord. Il y a Moïse Katumbi. Ce n'est pas une injure quand même. Il a quatre députés. Bon, c'est juste un rappel. Oui. Il y a quand même, vous reconnaissez la force de Katumbi aussi. Lui, il a combien de députés? Il n'en a aucun. Il n'a aucun parti. D'accord. Il a quand même un parti politique. Ensemble pour la République. Hein. C'est Ensemble pour la République. D'accord. Je disais. Il n'y a pas de députés, je crois, à ce que je sache. Bon, parce que le parti est venu, le parti a été, c'est qu'on pouvait dire, pour Matata Pogno aussi, il n'a aucun député, vous le savez. Oui. D'accord, aux élections 2023, nous avons... Fayoulou, au moins, qui a quatre. D'accord, aux élections 2023, nous avons le président Tshisekedi, vous connaissez quand même, l'IDP a des députés. Hein. Oui. Il y a Martin Fayoulou qui est aussi candidat. Il y a quatre députés. Et voilà, il y a Katumbi aussi. Candidat. Il y a Jean-Pierre Bemba aussi comme candidat. Jean-Pierre Bemba. Justement, c'est ça la carte. Il l'a déjà lavé. Je crois que c'est parmi aussi ces tendances. Et puis nous avons aussi, si jamais la justice aussi lave M. Kamer comme candidat. Mm-hmm. Comment vous trouvez ces matchs, au-delà que vous soyez vraiment un camériste ou bien quelqu'un de l'INC? Non, pas seulement, match facile, hein. Pas seulement un camériste, mais je suis le fils de Vital Kamerhe. Dans la maison, il y a des enfants, il y a aussi les fils. Mais moi, je suis le fils. C'est au moment de notre congrès qu'il va décider, se prononcer. Si le candidat président... Si jamais le candidat, comment vous trouverez ce match de tous ces candidats-là? Non, je pense que tu seras encore en vie. Tu seras toujours journaliste. Si jamais il s'est prononcé candidat, c'est à ce moment qu'il faut me poser cette question. Et on a oublié, il y a Chadari aussi pour les comptes du FCC. Chadari? Hein. Oui. Ah bon? C'est un grand passeur aussi à craindre. Chadari? On a vu ce qu'il a fait en 2018. Il a fait quoi? Il a raflé plusieurs provinces. Des voix là, on le sait. Ah, bonne chance à lui. Bonne chance à lui. Mais quand même, il pèse. Non, lui, c'est un poids mouche. Comment ça? Vrai. Mais il a le soutien de Kabila. Est-ce que Kabila t'a déjà dit qu'il soutenait Chadari? Son dauphin. Il fit son dauphin. Il est toujours secrétaire de son parti politique, le PPRD. Point barre. Et son parti a besoin encore de revenir au pouvoir, mais ça fait. Mais il y a plusieurs... plusieurs personnalités au sein du PPRD. Par exemple, hein? Entre autres. Je ne les connais pas. Hein? Ils sont nombreux. Je parlais des Incouillés. Je sais seulement qu'ils sont nombreux, mais je ne les maîtrise pas. Il y a des Incouillés. Je ne les maîtrise pas. Mais vous connaissez les Incouillés? Oui, je les connais. Comme il a été élu à Rutshuru. Oui, je pense. Voilà. Et il pèse aussi. Hein? C'est ça que je sais seulement qu'il a été élu à Rutshuru. D'accord. Merci. En tout cas, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Mais en conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport? Parce que moi, j'ai toujours aimé en tout cas que je finisse toutes mes interviews à lancer un message. Et moi, nos militaires et FARDC, au-delà de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, au-delà également des conditions dans lesquelles nos FARDC travaillent et vivent, mais j'aime toujours appeler les gens à lancer un message à nos militaires et FARDC. Très important, avant que je ne lance le message à l'endroit de nos FARDC, je voudrais d'abord dire à mon président, avec votre permission, bien Vital sûr, Kamerhe, l'honorable Vital Kamerhe, de prendre courage. Et que Dieu est de notre côté, personne ne sera contre nous.
et de se mettre en tête que nous sommes là en train de prier pour lui. Lui-même, il avait dit, il existe la justice des hommes, mais il existe aussi la justice des dieux. Merci. Donc vraiment, courage à vous, mon président Vital Kamerhe, et tous les cadres et militants de l'UNC, de croiser le doigt et de prier le bon Dieu pour que ça se finisse bien, que Vital Kamerhe soit lavé, soit blanchi, parce que c'est ça notre souhait le plus ardent. D'accord. Et que incessamment ça sera réalité. Merci. Donc nous leur demandons de garder leur mal en patience et de continuer à prier en faveur de notre président. En ce qui concerne nos FARDC, courage à eux. Tosengi na bango. Bakoba na kobunda pona ekolo pwete ezali musala oyo basili kopona pona kokengela ekolo ezali musala ya PTT makila na bango ezali kotanga pona ekolo na biso tozali na arme mibalete bobele bango bobele bino ba FARDC na biso bozali kosala musala munene bokoba tokoba pe kobondela pona bino boye ba ete tozali sima na bino elikia na biso ezali likolo na bino pwete bo continue kobunda pona ekolo bo continue kobunda pona integrite ya territoire na biso monguna azwa ata 1 mm ya mabele na biso te pwete ezali mabele oyo bakoko na biso batikela biso longunya penza pona bino longonya na ngana lo pona bino ba FARDC na biso en tout cas tozali longuna bino pe tozali kobondela pona bino boko bana musala nzambe azala na bino nzambe asunga bino monguna alonga ata soko mokete. Merci Matondo Mingi, merci Stéphane Machukano. Merci en tout cas, nous sommes des cœurs avec vous. Donc, en tant que militaires FARDC, nous sommes en tout cas reconnaissants du travail que vous faites pour ce pays. En tout cas, nous vous disons courage et félicitations pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup Stéphane Machukano d'avoir répondu à nos questions. Et merci en tout cas d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie, Justin Kabumba. Merci à tout le monde de nous avoir regardé. N'hésitez pas, si vous avez aimé l'interview, merci de laisser vos commentaires. Abonnez-vous sur notre chaîne et surtout partagez notre interview. Nous vous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Et surtout vous encourager pour ce travail de titan que tu as bas. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.